Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce 18e épisode de Dragon Ball Z Kakarot sur la chaîne. On s'est arrêté dernièrement, donc dans l'arc des cyborgs. Celle n'était pas encore arrivée. Mais il va bientôt arriver, on devait aller à la maison de Sangoku. Je ne sais pas pourquoi. On va voir. Par contre, Trunks est un peu défoncé. Hein. Il a plus de PV, là, il est dans le rouge, c'est un peu la merde. Bonjour. Oh, il me semblait bien avoir entendu quelqu'un. Krillin, c'est toi? J'espérais que Son Gohan soit de retour. Trunks, je te présente la femme de Son Goku, elle s'appelle Chichi. Hein, qui es-tu? Je t'ai jamais vu. Salut Chichi, c'est un plaisir. Krillin, tu es sain et sauf, je me fais un sang d'encre. Yamcha, comment va Goku? Son état s'est amélioré? Il va bien, il a pris ses médicaments, il dort. Alors c'est toi, garçon futur? Garçon du futur? Ah ouais, c'est toi qui a battu les cyborgs, c'est ça? Non. Désolé, tu raconteras ça plus tard. Il faut d'abord qu'on emmène Son Goku chez Tortue Signal et en vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Deux, non, trois cyborgs incroyablement terrifiants sont en chemin et ils veulent éliminer Son Goku. Oh non, ça s'annonce mal. Et ouais. Voilà, tout est prêt. On n'attend plus que Son Goku. Le voici. Alors, Son Gohan. Hein, qu'est-ce que vous faites tous ici? Il s'est passé quelque chose? On te racontera en route, monte vite. Ouais, Son Goku va rester dans la capsule spatiale là. Allez, réponds. Vous avez des pistes? Une petite idée sur l'endroit où se trouve Son Goku? Tu ne m'as pas écouté ou quoi? C'est plus amusant comme ça. On prend notre temps pour le traquer. N'empêche, on devrait mettre en place une stratégie d'ensemble. Et toi, tu as découvert quelque chose, pas vrai? La maison Son Goku se trouve dans les montagnes du 439e département. Qu'est-ce qu'il raconte? Je savais que c'était quelque chose. Regardez, il flotte le mec, hein. Il touche. Les pieds de ses 17 touchent même pas le sol. C'est un peu mal fait, hein. Tu es une personne étonnante, c'est le docteur Garo qui t'a dit ça? Affirmatif, en volant, il ne nous faudra qu'une poignée de minutes. Je sais, voilà, il a compris. La marche est une perte de temps qu'on s'est volé. Arrête de te plaindre, c'est bien plus amusant. C'est quoi, tu m'exaspères, ces 17? Ok. Je sais pas combien, 83 000 d'XP quand même, hein, pas mal. Mon avis, on va bien passer de niveau. Alors il reste encore quoi? Il reste cet arc là et puis on va passer à l'arc Bou. Donc il y a encore pas mal d'épisodes qui doivent arriver. Hein. Je pense à mon avis on sera peut-être dans la trentaine d'épisodes vu que là on est déjà au 18 ou 17, je sais plus. Je pense qu'on est déjà au 18. À mon avis on va dépasser la vingtaine, la 20, ouais, il y aura à mon avis une trentaine, hein, à mon avis. Après j'ai vu sur YouTube, il y en a qui l'ont fini en 15 épisodes, ça me paraît quand même un peu chaud. Hein. On va pas se mentir, à moins qu'ils ont passé vraiment toutes les cinématiques et tout. Ça me paraît un peu chaud. Écoutez, on va voir, hein. De toute façon, on est là pour jouer. On s'en bat les couilles. Nous arrivons chez Tortue Génial. Je ne crois pas qu'on devrait mettre Bulma au courant des événements. Si oui, tu as raison, mais alors tu crois que je devrais l'appeler? Voilà. Ce n'est pas toujours facile de discuter avec ta mère. À mon époque, elle n'a pas changé. Eh, Bulma, c'est Krillin. Krillin, tu vas bien? Pourquoi est-ce que tu m'as rien dit? Mon fils, mon futur fils, est-il là? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'on avait un appel de quelqu'un de la campagne à l'ouest il y a quelques jours. Putain, ce qui craint, c'est que les cinématiques sont vraiment longues dans ce jeu, ça casse. L'étrange véhicule a été retrouvé dans les montagnes, il porte l'inscription Capsule Corporation. Je me demandais comment avoir une photo. Allez, on s'en fout, nique ta mère. Vraiment pas intéressant, putain. Wow, on a pris de l'XP sans rien faire, c'est ouf. Putain, y a un truc, c'est toujours les vides niqués. Ça, par contre, ça craint, les mecs.
J'ai pas d'objet de truc, hein, fait chier. Comment est-ce que je faisais pour préparer de la bouffe encore, putain? Voilà, ça va être chiant ça. Par direction de la ville ouest sur la carte du monde. Ok, attendez. Ville ouest, tac, c'est parti. Encore un chargement. Oh là là là. En fait, c'est pour ça que le jeu est long, parce que t'as vraiment, je sais pas combien de temps de cinématique, t'as, je sais pas combien de temps à changer d'endroit sur la map, ça devient. En plus, allez, c'est bien qu'ils respectent à la lettre le scénario en fait, mais de base, mais t'as trop de cinématiques inutiles en fait, des trucs qu'ils auraient pu sauter quoi. Après bon, c'est CyberConnect, hein, ce qui. Naruto c'est pareil, hein. Naruto Storm c'est pareil, t'as blindé, blindé de. Le 1 encore ça va, mais le 2, le 3, t'as blindé de cinématiques. Je me rappelle quand je les ai joués chez moi tout seul, j'ai tout sauté. Parce que comme je connaissais le manga, bon, ça m'intéressait pas de lire et revoir les trucs. Mais ouais, c'est casse-couille, hein, c'est vraiment long. Trouve la machine temporelle près de Gingertown. Putain, par contre, il faut vraiment que je trouve de la bouffe. Hein. Allez, hop. On y est presque. La petite musique. Tududu. Tududu. Ah, la machine temporelle, elle est là. C'est lui, non, qui l'a laissé? Ah non, c'est celle, je pense. Ah, elle est là. Ouais, c'est celle de Cell, je pense. Ou celle de Trunks, je sais plus. Donc ça, la machine temporelle dont tu parlais. Ouais, c'est ça. Il devait sortir ma machine temporelle. Ouais, c'est la même. Sauf qu'il vient du futur ou qu'il vient de je sais pas où. Regarde ça. C'est la machine temporelle qu'ils ont utilisée. Comme tu le vois, elle est identique à l'autre. On dirait elle est restée là vraiment longtemps. Ouais, il a écrit Hope dessus. Apparemment, quelqu'un a fait fondre le dôme de l'intérieur. On jette un coup d'œil dedans. Et ouais, c'est celle. C'est celle qui est venue du futur pour niquer C-17 et tout. Allez, on va passer ce bordel. Parce que... Ouais, Dakara, Dakara, ma bite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? Allez, hop, ils vont regarder sur la machine. Ah, voilà, ça c'est le. Il a mué. On sent qu'est-ce que c'est? Une putain de sauterelle en vrai. Hein. Ah, nouveau chapitre. Vegeta contre C-18. Allez, hop. Niveau supérieur, cool. On a pris sûrement des points d'XP. Encore un chargement. Putain, je vais mourir de nouveau. Putain, les gars, par contre, Xbox Series X, là, c'est un peu chaud de l'avoir. Hein. Un PS5 et tout, c'est un peu la merde. Hein. Mais j'espère l'avoir pour Noël parce que je voulais l'acheter le jour de la sortie, mais apparemment, elle est introuvable. J'espère que pour Noël, ils auront refait les stocks parce que. Sent-il la peur de gagner alors que Sangon et les autres découvrirent le mystère? Comme le craignent le Tout-Puissant, la terre a gagné un village proche de l'exosquelette. Frank s'écrit là sans rendir sur place pour en savoir plus. Conscient que la catastrophe était imminente, le Tout-Puissant embrasse à son destin et se prépare à faire le sacrifice utile. L'heure est venue pour moi de venir en aide à ce monde, non plus comme gardien mais comme guerrier. La Terre désormais a besoin d'un puissant défenseur et non d'un œil vigilant. Il va fusionner avec un truc, je pense, Piccolo. Le démon bio-cyborg du futur. Ok. Allez, hop, on va parler au Tout-Puissant.
Putain, j'imagine que tu sais pourquoi je suis là. En effet, Piccolo, j'ai beau être le gardien de la Terre, je suis impuissant face à la terrible menace que ça annonce. C'est très contrariant. Bon, tu es prêt à ne devenir plus qu'un, évidemment, mais dis-toi bien que je me pose quand même des questions. Après tout ce qui s'est passé, ne me dis pas que tu as peur. Bon, si c'était le cas, serais-tu capable de réprimer ces angoisses? Quoi? Il y a fort longtemps, par ignorance, j'ai laissé le mal s'enraciner dans mon cœur. Quiconque emprunte le chemin des ténèbres est voué à devenir un démon. Mais mon autre moitié, le roi démon Piccolo, en est la preuve. Si jamais je fais la même erreur, suite à notre fusion, le cataclysme serait bien pire que la menace cyborg. Viens en fait, pourquoi hésites-tu? Crache le morceau. Ta détermination me donne une lueur d'espoir. Très bien, mais réponds-moi, Piccolo. Est-ce vraiment le meilleur moment pour fusionner? Ne devrions-nous pas observer encore un peu la situation? C'est maintenant ou jamais. Allez, c'est maintenant ou jamais, mon pote. Arrête de te poser des questions, sinon des baisers. Les Dragon Ball, pas de problème. De quoi? Je dois répondre quoi? Ils vont me faire... Putain. L'heure est venue pour moi de venir en aide à ce monde. Oui, vas-y. Aide le monde, mec. Fusionne avec Piccolo. Merci pour tout, monsieur Popo. Mister Papa. Allez, fusionner. Piccolo est beaucoup plus fort, mais même comme ça, il réussira pas. Hein. Ah, Dieu tout puissant, je t'en prie, ne meurs pas. C'est ni le tout puissant, ni Piccolo. C'est un Namek et j'ai oublié mon nom. Qu'est-ce qu'il raconte? Que dis-tu? Bon, je file. Quoi, elle a pris full d'XP. Ouais, pas autant que ça quand même. Pas tant d'XP que ça. Ah non, c'est quart du monde. Oh là là, on va se taper encore un chargement. Ginger Town, c'est parti. Oh là là, le chargement de l'enfer. Et c'est vraiment la merde. L'autre jour, il y avait Fnac qui avait des Xbox dispo. Parce que moi, je vais en premier acheter la Xbox Series X et ensuite la PS5. Et le temps que je mette mes données, bazar et tout pour acheter, il n'y avait déjà plus. C'est un truc de fou. C'est vraiment pour montrer à quel point les stocks étaient quand même assez réduits et à quel point les gens se mettent à fond dessus. Quoi. La PS5, elle est quasi introuvable. Hein. PS5, c'est devenu quasi de l'or en fait. Si tu l'as, tu peux t'estimer heureux parce que c'est un truc de fou. L'Xbox Series X, c'est un peu moins, mais quand même, il n'y a déjà plus partout non plus. C'est en rupture de stock partout. Et après, apparemment, pour Noël, ils referont les stocks, mais j'espère, hein, parce que si je ne l'ai pas maintenant, ça va me faire chier d'attendre quand même 2-3 mois qu'ils refassent un stock. Ok, il a avalé tout le monde. Tu décides enfin de te montrer, le monstre. Qu'est-ce qui se passe? L'énergie de Son Goku émane de cette créature, tout comme celle de Vegeta et de Freezer. Mais qu'est-ce que tu es, bordel? Ne te regarde pas, la seule chose que tu dois savoir, c'est que je vais te dévorer, roi démon Piccolo, hein? Comment se fait-il que tu connaisses mon nom? Comme je te l'ai dit, il ne servira à rien de te révéler, prépare-toi à être dévoré. Je vois, tu refuses de répondre, hein? Désolé de te recevoir, mais tu t'es trompé de Namek. Crois-le ou non, je suis plutôt soulagé que tu aies vidé ce village. Pourquoi donc? Ça me permet d'attaquer sans retenir mes coups. Ok, on va se battre contre Cell la première fois. Ça va être compliqué, hein. Je pense qu'on va se faire défoncer le cul, à mon avis. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, viens ici, Cellou, viens ici, Cellou. Mon petit Cellou. Aïe, aïe, aïe. Ça a rien fait, j'ai l'impression. Allez, va te faire foutre. Alors, lui il faut faire un caco sa peau, hein, parce que c'est ça qui fait le plus mal. Putain, il m'a baisé quand même comme ça. Il va être chaud, hein. Allez, on lui a enlevé une jauge, c'est pas mal. Putain, fait chier sa mère. Wouah, il a Kamehameha.
Ah, attention. Makango Sapo dans ta gueule, fils de chien. Ah, j'ai fusion Namek véritable, sérieux? Stylé. Allez, c'est parti. Fusion Namek véritable. Wow, il me fait Makango Sapo aussi l'enfilé, beaucoup plus. J'ai l'impression que le sien était beaucoup plus gros que le mien. Merde. Wow, le Kamea de plein fouet dans la gueule. Tiens ça dans ta race. Espèce d'enculé. Encore une fois. Ok. On s'en sort pas mal. On l'a rattrapé niveau PV. Faut pas qu'on fasse les cons. Wow, vous avez vu la taille du sien? J'ai l'impression qu'il est tout gros son truc. Allez, barre-toi d'ici. Wow, heureusement je me suis pas fait choper. Tiens! Non, il m'a baisé, sérieux? Non, mais allez! Putain, il va reprendre ses PV! Non! Comment je déteste ça! Putain, ça va me casser les couilles. Ça va vite me faire chier. Putain, la taille de son Kamehameha, sa mère. Ah, ses attaques, elles sont beaucoup plus fortes que les miennes. Hein. Y a pas photo. Tiens, ça! Faire foutre. Espèce de saloperie. Tiens. J'ai défoncé ta race. Ah par contre là je suis plus... On va se transformer, hein. Moi je m'en bats les couilles. Hein. On va rester en un mec véritable. Parce que je sais que je le fais plus mal comme ça. Mes attaques normalement sont censées être boostées donc... Tiens de plein fouet. Merde, merde, merde. Non mais non. Putain, je déteste ça, ça me rend fou. Putain, enculé. Putain, quelle attaque de chiasse. Hein. Tu galères à lui enlever des PV et le mec il vient, il te. En une attaque, il te récupère la moitié des vies. Allez, il est presque dans le rouge. Non! Putain, encore! Mais non! Oh, putain, il va m'énerver, ce fils de pute. Il va vraiment m'énerver. Mais non! Mais pff, nique ta race! Va te faire foutre, fils de pute! Regardez, il était dans le rouge, putain! Nalta, bon dit mec. Fils de pute. Là, je perds pied parce que je commence à m'énerver! Non, mais il va encore. Putain, je crois qu'il allait encore me choper. Va te faire foutre. Putain, le combat, quoi, putain! Tiens! Désolé les gars, je suis concentré! Putain, il va me niquer la gueule. Tiens, prends-toi ça. Non, 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 il doit pas me choper. Il doit pas me choper. Non, mais putain! Fils de pute! Il me rend fou ce mec, il va me rendre fou! Je vais crever! Mais non! Vite de pute, nique ta race! Espèce d'enculé! Putain! Non! Il va me baiser! Nique ta mère! Nique ta mère! On va te faire foutre! Sois tranquille! Il va me rendre fou ce mec, il va me rendre malade! Nique ta maman! Non! Il va me choper! Non! Je vais mourir! Tête de ma mère! Ah, oh là, je vais me casse-toi! Non! Il va me tuer! Non! Je vais crever, les mecs! Putain, j'en stresse! J'en peux plus! Non, mais il évite tout! Eh, j'ai pas envie de refaire ce combat, Nishen. Non, je vais mourir. Je vais crever. Putain. À te faire foutre, non. Putain, mais il est vite tout. Non, je suis mort. Putain.
Putain, c'est cool. Putain, quel fils de pute. Putain. Ah là là, allez lips hein, les mecs. Non. Eh putain, oh, je suis un gros de fou. Putain, je pète un plomb. Tête de ma mère. Mais non mais... Tiens, meurs. Putain, ça lui fait rien, mes attaques. Putain, bondi, mec. Mais vas-y, mais meurs. Putain, tu vas crever, espèce d'enculé. Crève. Putain, il va me rendre... Tiens. Putain, enfin. Oh yo, mais ce sel t'a bondi, mec. Putain, la chétane, hein. Non, mais qu'est-ce que tu es, bordel. Franchement, vraiment, hein. Comment se fait-il que tu détiens l'énergie de Sangoku et de Frieza? Je peux même te le dire, puisque tu ne seras bientôt plus de ce monde. Je suis un cyborg, vois-tu, tu peux m'appeler par mon nom, sale. Docteur Guerrero Magré dans un laboratoire sur son ordinateur. Docteur Guerrero encore? Il y a bien longtemps, le Docteur Guerrero rassembla les cellules des plus grands guerriers du monde afin de m'écrire moi le cyborg ultime. Mais le processus s'avéra trop long et il abandonna le projet. Par chance, son ordinateur poursuivit les recherches là où il les avait laissées. Il se procurera des cellules de Sangoku, Piccolo, Vegeta et même Freezer et son père lors de leurs arrivées sur planète. A l'aide d'un robot espion de la taille d'une abeille et conçu par le Docteur Guerrero, l'ordinateur a déjà assez de cellules pour lancer ses recherches, mais le processus est lent. Il lui faudra 24 heures pour revenir à bout. Impossible, nous avons complètement détruit le laboratoire du Docteur Guerrero. L'ordinateur se situe sous terre, loin en dessous du laboratoire. Tu veux dire qu'il t'a fallu 3 ans pour passer de l'état d'œuf à ça? Quand je retourne à l'état fœtal, il me faut passer 3 années sous terre pour me... Tu vois, je veux savoir en dernière chose, pourquoi ici, pourquoi revenir à notre époque? Un ordinateur du Docteur Guerrero m'a informé qu'il me manquait 2 formes de vie précises avant d'atteindre la perfection. Ces formes de vie sont C17, C18. Quoi? Malheureusement, j'ai eu beau chercher loin, je n'ai pas pu localiser ces saletés de cyborgs, ils ne sont nulle part dans mon époque. Et par chance, j'ai entendu parler de la machine temporelle de train et que j'ai donc recours. Ok, bon. Là, on a capté. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il utilise une machine temporelle, c'est très malin. Alors, c'est lui le type qui a attaqué tous les habitants de Jinjarta. C'est sûrement la chose qui a abandonné son exosquelette près de la machine temporelle. Exact, je te raconterai tout ça plus tard. Il faut d'abord qu'on écrase cet insecte. C'est peut-être pas le meilleur moment pour se battre. Très bien, je vous préviens, ces 17 18 seront à moi. Morceau du soleil! Il est parti. Non, il s'est échappé. Bon, ça permet de le localiser. C'est Vegeta qui est énervé. Un niveau de puissance qui était apparu de nulle part a disparu, je le sens plus, mais l'autre est toujours là. Qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir dire? Parle, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu n'as annoncé ton chemin, je vous dirai tout quand il sera là. Réponds-moi d'abord sur une chose. Comment as-tu fait pour augmenter à ce point ta puissance en aussi peu de temps? On dirait qu'il a fusionné avec le Tout-Puissant. C'est tout? Mais qu'est-ce qui lui prend à ses avortons? Comment a-t-il tenté de surpasser le plus grand Super Saiyan de l'univers? Bon, mon PC a plus de batterie, attendez. Kakarotto. Ok, voilà. Tenshinhan arrive. Bah voilà ce qui va se passer. Ok, il va tout expliquer, à mon avis. Je vois. Ok, tac tac, il explique, machin, on avance. Sinon, demande encore là. Dépasser le stade Super Saiyan, c'est possible ça? Pourquoi est-ce qu'on ne retournerait pas au labo pour y détruire celle avant qu'il ne soit achevé? Bonne idée, je suppose. Allez, on y va.
159 000 d'XP, putain. Ok, bon. Lac de glace. C'est où ça? Lac de glace de Darling. Darling. Ok, bon, c'est parti. Ok. On y va. On va essayer de pas se choper des ennemis en route parce que ça va casser les couilles. Pour éviter. Ah, c'était là le labo. C'était son labo ici. Computer. Fais tout sauter. Ok. Quel être ils ont fait le bâtiment et les souterrains du laboratoire. Ensuite, ils ont entièrement détruit pour empêcher celle de terminer sa croissance. On a réussi. Ok. C'est vrai, Nani, tu viens pas entraîner. Si par exemple dépasser ça, super saiyan, ça devrait être à ma portée si je m'entraîne assez. Ok. Ils vont s'entraîner, nan nan nan, merci, bazar, machin, et voilà. Je pense que là, Cell va se battre contre C-17 et tout pour essayer de les absorber. Là, on se rend des XP gratuitement, hein, franchement. Gratuitement, mon gars. Alors, franchement, alors on est encore loin. Hein. Enfin, le jeu est quand même assez long, hein, en vrai. T'as quand même blindé d'arc et les arcs sont quand même assez longs. Bon, après, ils ont rallongé ça avec plein de cinématiques, mais. Mais franchement, c'est pas mal. Hein. Durée de vie du jeu. Assez ouf. Alors, on avance tout ça, hein, parce que ça casse les couilles. Deux jours passèrent, puis trois. Puis que les autres poursuivirent une traque de sel à partir de l'île Tortue Géniale, mais en vain. Rien de nouvelles victimes leur parvenait sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Le monstre est dans le village du 48e département sud. La moitié des habitants sont morts. Se dirige vers le sud. Allez, en route. On a encore une chance de le choper si on part tout de suite. Bonne chance. Tamuntazo. Ce sel n'est pas un adversaire à prendre à la légère. Et ils sont tous partis, Sangohan aussi. Je le crains. Sangohan, sois prudent. J'espère qu'ils mettront le grappin sur ce monstre. Ah, il est debout. Salut. Tu sens mieux? Oui, je suis complètement rétabli. Quel soulagement. C'est vraiment désolé pour tous ces soucis, Chichi, et pour vous aussi, Tortue Géniale. Tout ce qui compte, c'est que tu ailles mieux. Au fait, tous les autres sont partis, ils sont localisés, ils ont localisé celle. Ouais, mais qui t'a parlé de ça? Je les ai entendus parler dans mon sommeil. Je crois que j'ai à peu près compris ce qui se passe. Ah, je crois que moi aussi je dois m'entraîner. Tu veux te battre? Non, tu n'es pas en état de te battre. Tu as encore besoin de repos. On se détend. Je ne vais pas me battre tout de suite. Je veux dire, si les gens n'arrivent pas à le vaincre, je n'aurai aucune chance. Faut que je m'entraîne pour repousser de nouveau mes limites au-delà du Super Saiyan. Un niveau encore supérieur au Super Saiyan. Si, si, j'aimerais m'entraîner avec Sangohan, je peux. Oh, il lui demande la permission et tout. J'espère qu'il plaisante. De toute façon, si je refuse, tu n'en feras qu'à ta tête. Très bien, tu tiens le temps à t'entraîner, fais de lui un vrai gagné. Merci, Chichi. Mais quand ce sera terminé, il reprendra directement ses études, rien que ses études, quoi qu'il arrive. C'est vraiment ce qui va se passer. Après Sangohan, ça va devenir vraiment un bête type. Là, il est fort et tout, mais après, ça devient une merde. Dans Dragon Ball Super, il est vraiment nul.
le ciel du département sud. Si nous nous approchons de celle dans cette chose, on n'aura pas à s'inquiéter qu'il puisse. Il est rusé, même si on se rapproche, on va quand même devoir le débusquer. Sangoku. Yo, comment tu as fait pour venir? C'est un déplacement instantané, c'est ça? Tu as guéri à 100%? Oui, mais j'ai un peu faim. Salut tout Piccolo. Je ne tiens pas à ce qu'on me combine les deux noms. Je suis surtout resté Piccolo, alors rappelle-moi comme ça. Je déteste l'admettre, mais pour l'instant, je suis pas assez puissant pour affronter les cyborgs et celles. Mais j'ai une idée, j'amène Sangwan dans un endroit où nous pourrons bénéficier d'un entraînement d'un an compressé en une journée. Oui, la salle de l'esprit et du temps, bien sûr. Mais personne n'a réussi à tenir une année entière là-dedans. Même toi, tu l'as utilisé pendant un mois à peine. Mais les choses ont évolué, ça ira. Et n'oubliez pas, on peut emmener Vegeta et Trunks avec nous, ils tiendront le coup. Ouais, c'est là qu'il y aura Trunks, Super Trunks et tout. Dans ce cas, allez-y, celle-là poursuit des massacres et sa puissance augmente sans cesse. D'accord. Laisse-moi te poser une question, Sangoku. Tu redoutes que cet ennemi soit plus effrayant encore que Freezer ou est-ce que ça te plaît? Les deux. Content de voir que tu ne baisses pas les bras, c'est bien. Ida, Sangwan, on prendra Vegeta et Trunks au passage. Très bien. Et c'est là que Sangwan va se transformer en Super Saiyan 2. Enfin, il réussira après à se transformer en Super Saiyan 2. Le légendaire hein, Sangwan Super Saiyan 2. Bon, j'ai détecté l'énergie par là-bas. Très bien. On va y aller. Oh putain, carte du monde encore, fait chier. Ok, on doit aller par là. Non, ça il faut éviter par contre. Ouais, c'est juste là. Hein. Mais putain, calme-toi, mec. Ok. Trunks est là. Sangoku, alors que se passe ton entraînement? Mon père me traite plus comme un obstacle, comme un combat de partenaire. Cela fait 3 jours qu'il est comme ça, il ne bouge pas. Ça se dit, Vegeta tout craché, je pars, il se demande comment dépasser le stade de Super Saiyan. Ah, putain, je suis mort. Ne me dérange pas, Kakarot, fiche le camp. Ouais, allez, quoi, arrête un peu, je connais un endroit idéal pour s'entraîner, ça s'appelle la salle de l'esprit du temps. Dans cette salle, on peut s'entraîner pendant un an compressé en une journée. Elle se trouve dans le palais divin. T'es sérieux? Sérieusement, viens avec nous, rien ne t'oblige à t'entraîner avec moi, mais tu n'as pas envie. Seules deux personnes peuvent en profiter à la fois. Pour gagner du temps, tu passeras avec Trunks. Très bien. On commence, c'est clair. D'accord. Ah, ils vont rentrer en premier. Ça, j'avais oublié. Ça, j'avais zappé. 130 000 d'XP, ok. On va de nouveau sur la carte du monde. Oh là là. C'est très très chiant ça par contre les gars. Franchement, on va pas se mentir. Quand même assez chiant. Ok, palais divin, c'est parti. Hop. Hop, hop. Kinou. Nous aimerions nous entraîner à la salle de l'esprit du temps, c'est possible. Très bien, venez me suivre. Ok, tac 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 tac. Ok. Là, on va devenir beaucoup plus fort. Oh là, encore un chargement, mais putain. Franchement, hein, vivement que j'achète cette nouvelle Xbox parce que. Chargement, ça devient lourd là, de ouf. Et apparemment, la nouvelle Xbox, le chargement, il est vraiment divisé par 2 ou 3. C'est complètement malade, mais. Ce qui fait chose du mal à respirer, la gravité supérieure me rend plus lourd. Il va passer une année entière ici avec mon train. Ouais, c'est vrai, là-dedans il passe un an, mais dehors c'est qu'un jour. Ok. Alors, on va faire un petit combat d'entraînement à mon avis. Ok, c'est parti, enfin de l'action. Ça j'aime bien. Oh, niveau 40 Vegeta. Allez, c'est parti, Vegeta. Ouais, tu vas faire que te défendre, on sait comment.
Putain, il se défend tout le temps, il casse les couilles. Hein. Tiens, prends-toi ça dans la gueule. Putain, il se défend, mec. Chier. Big Kobang! Aïe aïe aïe, merde. Putain, il est chaud, Trunks, en vrai. What the f. Tiens, prends-toi ça dans la gueule. Putain. Ah, il est chaud, hein. Il est chaud, il fait mal en plus. Regardez, chaque fois que je le tape, il bloque. Ça devient casse-couille, hein. Putain, il me casse les couilles, il fait bloquer mes attaques. Le mec, il bloque toutes mes attaques, c'est casse-couille, là. C'est pas drôle, hein. Tiens, ça t'a fait mal. Bah, prends-toi ça encore. L'éviter, l'enculé. Finition, c'est fini. Ok. 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 Si tu veux, mec. C'est vraiment ça ta force, tu n'as pas intérêt à me déranger. À ménager ce prétexte que je suis ton père. Ok. C'est pas comme toi, père. Ok, le chapitre est fini. Il y a plus ou moins 2 à 3 combats par chapitre, hein. C'est toujours plus ou moins pareil. J'ai trouvé mon prochain repas. Vous ne m'échapperez pas, c'est 17, c'est 18. Dès que j'aurai assimilé assez d'énergie de ces humains répugnants, je vous absorberai tous les deux. Ces humains répugnants, quel enfoiré quand même. Et alors je t'atteindrai enfin, ma forme ultime. Bientôt, bientôt, j'atteindrai la perfection. Il pète un plomb, le mec. Elle est en train de niquer tout le monde. Là, il nique des mères. Là, il nique des mères. Hein. Ok, on a pris sûrement de l'XP aussi, à mon avis. Putain, les gars, franchement, j'ai vraiment envie d'avoir la nouvelle Xbox, là. En plus, sur ma Xbox One, j'ai même plus d'espace. Ça me casse les couilles. C'est complet. Bon, je sais qu'il y a des disques durs externes hein, à acheter, mais... Ça me fait chier, quoi. Ça coûte quand même genre 70 à 80 balles, le disque dur externe. Donc là, je me dis, comme la Xbox Series X est à ça de la sortie, autant attendre et j'aurai un Tera et je pourrais mettre... Et je pense qu'avec la Xbox Series X, j'achèterai d'office une carte mémoire externe parce que... Parce que ça, je vais vite la remplir aussi parce que j'ai blindé de jeux. Je pense qu'à mon avis, je vais vite remplir la mémoire et voilà. Mais le truc, c'est que la carte mémoire de la Xbox Series X, les gars, elle coûte 270 euros. Hein. C'est quand même la moitié, plus de la moitié du prix de la console. C'est quand même un truc de fou. Journée entière s'est écoulée, ok. Ouais, là je passe beaucoup plus parce que ça devient chiant. Trop de blabla, trop de dialogue en fait, c'est vraiment exagéré. C'est comme Kingdom Hearts 3, c'est un truc de ouf. Bon sang, pourquoi faut-il que ce soit maintenant? Son Goku est ici, comme il n'est pas chez lui, je me suis dit qu'il se cachait peut-être ici. Qui est dégagé, machin. Ok. Et bon, on va arrêter cet épisode ici, les mecs. On est déjà à plus de 40 minutes de vidéo, c'est pas mal. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire. On continuera au prochain épisode cet arc de Cell. Je pense que ça va bien partir en couille au prochain épisode. Et voilà, le jeu devient de plus en plus intéressant. En tout cas, les gars, merci à tous. C'est le cas certain. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. C'est très très important. On est presque 3000 abonnés. Hein. Merci à tous. Ciao.